Hello les gars, on est mercredi et aujourd'hui je tourne mon troisième vlog. Je tourne ce vlog avec des potes. On va aller sur Paris et vous verrez ce qu'on va faire, ça va être marrant. Là ça me fait un peu suer pour ne pas dire autre chose parce que en fait mon pote est en retard. Donc je suis là comme une bouffonne et j'attends chez moi que le temps passe et que monsieur se décide à arriver. Voilà. Les gars, là je sais pas où je suis, tout est en travaux, c'est génial. Je vous présente Laura, salut! Une de mes best friends forever. Bon du coup je vous raconte ce que je voulais vous raconter. Du coup donc tout à l'heure j'étais chez moi et comme je l'ai dit mon pote était en retard. Et il me dit, enfin non il me dit rien en fait, j'avais pas de nouvelles de lui. Et là genre à l'heure où on devait se retrouver, même genre 10 minutes après, Seba il répond sur le groupe et tout et il me dit ouais je suis malade, non. Il nous a clairement foutu un plan, donc je pue le sub. Non, en fait, je suis surtout hyper énervée. Moi, je suis investie dans mes vidéos, vous vous rendez pas compte. Moi, je suis quelqu'un de professionnel, je peux pas comme ça annuler au dernier moment. Je veux dire, il y a des followers qui m'attendent et tout tous les jours. Insupportable parce que de base on s'était mis derrière et en fait on a changé de table alors que le mec il avait déjà genre nettoyé la table. Enfin, infernal. Là on a plus qu'à attendre Alexandre, on va aller lui faire essayer des trucs, vous êtes pas prêts. Viens meuf, on lui fait essayer des trucs de ouf genre. On trinque un café genre. Alexandre il est enfin arrivé, il nous attend devant les grands magasins. On va le rejoindre et après on va enfin aller manger. Là on crève la dalle en fait. Hey, y'a ma star qui est arrivée. Les filles, je vous présente Alexandre, il est méga beau, il est célibataire. Je vous mettrai sur Insta, on est dans la bio. Comme ça, vous pouvez vous abonner dans la bio, pas du tout dans la bio, dans la description. Et comme bien, ça, voilà. Voilà. Viens, viens, on t'habille comme ça. Vas-y, mets-toi devant pour voir si ça tirait bien. La cagoule, on imagine une cagoule en cœur sur sa tête. Trop beau. Alors là, vraiment, vous venez de découvrir ma boulangerie préférée, Paul. Il fait trop la meuf. Tu fais trop la meuf. Tu sais pas quoi prendre. On va aller au fond. Comme ça, on peut juger les gens. Quel est le problème? Elle m'a pas compté mon coca dans mon menu, ce qui fait que je l'ai payé à part, j'ai payé 50 centimes en plus. Venez, on porte plainte. Alexandre, il est à l'école ce matin. Est-ce que tu t'es fait des copains? Est-ce que t'as pas oublié ton goûter? Je me suis fait voler. Oh, il s'est fait voler son goûter, je suis choquée. J'ai trop envie de lâcher un croc dans Petit Biscuit. Je vais bien. Mets un peu de salive pour que ça colle. Fais un bouche à bouche. C'est vrai, bah c'est ça, ça va lui faire couette. Alexandre, il est en mode incognito là. Alors aujourd'hui, on fait un relooking pour notre pote parce que là, c'est pas trop ça. Il y a une vieille grue qui gâche le paysage. Ouais. Alexandre, est-ce que tu es à l'aise? Très confortable. J'ai vraiment envie de pleurer. Bon bah c'est en ce jour béni que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement pauvre et qu'il allait falloir que je m'en mette à travailler. Si je veux avoir un avenir et des vêtements. T'es trop frais ma vie. Moi je trouve que c'est ton style. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien pour Alexandre. Il est incroyable, je suis amoureuse. De moi? Non, du t-shirt. Est-ce que ça te dirait de l'essayer? Eh mais ça va être un peu juste. Ça devient un peu oversize. Bah c'est pas mal le oversize. Peut-être plutôt S pour ton petit corps. J'aime trop. Elle est parfaite la taille. Eh vraiment, il est super beau. Vas-y, fais un petit défilé. Avance dans l'allée là. Ouais, coup de cœur. Il te va trop bien à la peau, au teint et tout. J'aime trop. Oh, regarde-moi une dernière fois. On va leur faire un choix. Ouais, on va faire un choix. Ah. Je pense que l'autre est mieux, mais j'aime bien aussi. Tu prends le verre? Je prends le verre. Allez, on prend le verre. Bon, ah.
Oh, c'est trop gentil. Ok, objectif, trouver une casquette pour Alexandre. Laquelle couleur tu veux? Noir en vrai. Hein. Comme ça, t'as la même que moi. Comme ça, tu ressembles à une star. Trop grande. Ah non, ça va, ça te va pas du tout. Ah, moi, c'est horrible. C'est ignaste. Alors, essaye-nous ça. Alexandre, faut se prendre en main là. Enfin, c'est pas à maman Laura de toujours tout faire. Elle te va super bien. Non mais c'est toujours pareil ma vie, c'est vraiment toujours pareil. Bon Laura, tu la prends ou tu la prends pas? Moi je pense que tu la prends. Hein. Ouais. Ouais. Il est jaloux parce que les casquettes ça lui va pas et qu'elle a acheté une casquette. Est-ce que tu as un câlin pour te rassurer? Regardez, on a trouvé enfin un magasin à la hauteur de notre porte-monnaie. J'aime pas la matière. Mais toi, t'aimes rien. Tout ce qui te concerne pas, t'aimes pas, de toute façon. Quand... T'es qu'un égoïste. Du rose. Et vous savez, les gars, c'est ma couleur préférée, le rose. Est-ce que je le prends, vous croyez? Dites-nous dans les commentaires si elle doit le prendre. Alex, vas-y. Ah, j'ai les hockey, c'est infernal. Faut me faire peur. On s'en fiche que ce soit pour femme. Mais alors, on le trouve. Mais si tu aimes, on s'en fout. Allez. C'est horrible. Oh, dis pas que c'est horrible. Allez, mets la main. Eh, hey, dites-nous dans les commentaires si ça lui va bien. Moi, je trouve que ça lui va super bien. Aidez-moi. Tiens, regarde. Ça te va super bien. En fait, encore une fois, c'est lui la priorité. On va chez les hommes, chez les hommes, chez les hommes. Je traîne avec des gens, des bouffons. Oh, mais j'ai loqué en direct, là. J'adore. Regarde. C'est sûr que c'est pas trop court. C'est incroyable. Hein. Ah, mais c'est transparent, par contre. Hein. Bon, c'est catastrophique. Vas-y, je vais montrer Alexandre, il va tomber. C'est le roi Louis XVI. J'en ai marre. Mais avec un petit jean comme ça, ça fait bien. C'est hyper beau, ça te va trop bien. Non mais arrête de faire une tête de mec heureux, oui, je sais pas. Si t'aimes bien. Les mannequins, il faut que tu sois jamais. Un col roulé, tu vas être trop frais. Pif paf pouf. Je pense que ça va être trop grand, moi je te proposerais plutôt du S. S. Oui, mais t'es un peu frêle quand même. Ah ouais. Oh, comment ça tirait trop bien. Attendez, essayez de vous imaginer les gars. Comme ça. Trop beau. Arrête de mettre ce genre de truc, c'est pas beau. Ouais. Bah parce que c'est pas beau. Aïe, oh, il m'a collé ça sur le crâne. Mais fais le mannequin, mais pourquoi tu... Regarde comment il se tient, on dirait un pingouin. Non mais en vrai, arrête de faire le constipé. Marche jusqu'à là-bas. Je suis normal là. Est-ce que tu te sens à l'aise? Tu fais bien. Ouais. Marche vers là-bas et tu reviens vers nous. Non, c'est parfait. Ah, j'adore. Waouh. C'est nickel. Je suis choquée. Attends, je vais faire un selfie avec toi tellement t'es beau. Viens. Il est trop beau. Regarde comme. Bah, tu lèveras pas les bras. C'est tout là. Il trouvera peut-être une meilleure coupe, tu vois. En fait, le truc, c'est que là, c'est parfait, tu vois. Déjà, lève ton. Tu tiens. Mais non, mais regarde comment il se tient. Et regarde, ça fait comme ça. Poudouf. On dirait un centre. Et t'as acheté plein de trucs aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est cool de faire les magasins avec nous? On est de bons conseils? Comment ça, ça va? On va juste vérifier là au bout. Ah ouais, c'est ça. Ah, mais... Bon bah on va être obligé d'appeler la police, on trouve pas le coupable. Hein. Donc là on, encore une fois on attend Enzo, il est en train d'appeler Enzo, j'en ai marre d'attendre Enzo. Au pire toi tu vas poser la voiture, nous on cherche un café, on va boire un café, tu regardes ma log, tu nous rejoins au café. Et tu trouves Enzo au chemin. Et tu trouves Enzo au chemin. Et tu forces Enzo à rester boire un café parce que de base c'était la journée vlog, c'était aujourd'hui c'était avec moi. En fait à la base je t'explique qu'on avait pas du tout prévu d'aller voir des je sais pas quoi, je sais pas où. Non mais vas-y moi il y a des gens je vais les jeter de ma vie. Vas-y. On va aller au Carladais. Carladaise. Carladaise. Alors moi je comprends rien, c'est en parisien. Il y a deux minutes il pleuvait, maintenant on se croirait à Djibouti. Enfin, il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Là on a trouvé les vêtements pour Alex. Tout le haut. Là on va aller chercher, là il nous manque, il faut qu'on trouve au moins un pantalon et une paire de chaussures. Il lui faut beaucoup de pantalons, il n'y en a pas. Ah. Donc on peut faire du jean pantalon. Ouais parce que là c'est pantalon troué. On peut lui faire une paire de baskets et une paire de bodysuit. Ah bah, on va pas acheter 4 paires de chaussures, enfin... Bon, de toute façon, vous verrez. Hein. Mais ça va, il est pas trop difficile. Hein. Mais le mec, en gros, on lui fait essayer des trucs, il est là. Ah ouais, c'est bien. On lui dit qu'on adore, du coup, il adore. Ouais. Toi, t'es un faux frère, toi. Je dois y aller, je dois être bon, moi. T'avais rendez-vous à midi. T'as l'air tout mais en vrai, j'ai envie de le tuer. Retenez-moi, retiens-moi, je vais le tuer. Depuis que je suis quelqu'un de célèbre, eh ben, je passe du temps avec vous, en fait. Il est rien, tu n'es rien, tu n'es qu'une poussière dans ce monde et tu fais le gusy. On est censé faire quoi aujourd'hui? Rappelle-moi, depuis 3 jours que je te le rappelle là. Shopping, vidéo YouTube, tu crois que c'est une blague? On va au H&M, on lui trouve 2 pantalons, après une paire de chaussures, peut-être un manteau et on tente.
Moi, vous savez ce que je voulais faire aujourd'hui qu'on n'a pas fait, je suis hyper déçue, c'était d'aller manger une crêpe devant la Tour Eiffel, comme des amoureux. Oh, des petites fleurs. J'aimerais tellement qu'on m'achète des fleurs. J'aimerais tellement qu'un garçon m'achète des fleurs. Et je suis épuisée, il m'épuise. Il me pompe toute mon énergie, déjà que j'en ai pas beaucoup. Merci, galant homme. Ok, j'ai trouvé le pantalon de mes rêves pour un mec. Regarde ça. Si j'étais un mec, j'aurais acheté ça. Un chapeau ? Attends, on tente. Est-ce que c'est le genre de chaussures ? Alors peut-être pas cette couleur. Sympa. Dites-nous en commentaire 1 sur 10. Enfin, combien sur 10 ? Viens, tu t'achètes des chaussettes ananas qui sont en tête de mort. Ah. Oh, moi, j'aime trop. Hein. Ça va trop. Ça va trop. Est-ce que t'aimes ? Bah ouais, moi, ça va. Hein. Toi, t'aimes tout, de toute façon. Je me suis jamais autant investi pour faire les magasins pour un gars. Mais on te fait essayer par curiosité. Prendre peut-être du S. Tu verras. Tu verras. Si ça se trouve, tu vas kiffer. Non, vraiment, je te jure. Mais t'es sûr que tu fais du 42 ? Ça me paraît énorme, le 42. Mais regarde, on va regarder sur son pantalon. Attends, je regarde dans ton pantalon. Est-ce que je suis has-been ? Oui. Tout à l'heure, ah oui, je vous ai pas dit, je me suis tapé un vivant refusé pour un café à 2,50€. Ce café là, on est en train d'attendre que notre enfant essaye ses vêtements. Vas-y, à moi. Pas 0 sur le bis, mais bon. Tadam. Okay, trop long, mais quoi, mais c'est du 38. C'est du 38. Non mais remonte-le parce remonte que c'est un taille haute un peu je crois. Remonte-le bien. Oui, mais, bon, on fera des trucs. Non mais tu vas prendre des abdos, t'inquiète. Est-ce que monsieur ça lui va bien? Oui, ça va. Là, voilà. Est-ce que si tu te baisses ça craque? Fais des squats. Super. Ok, vas-y, c'est bon. Bon bah nous voilà repartis, maintenant on va chercher des chaussures. Voilà, on a trouvé un pantalon et un col roulé. Ma maman c'est la plus belle. Oui, 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 oui. Il faut des trucs basiques pour lui. 44. Bah du coup, on va bien essayer celle-ci en 44 okay. Et également celle-ci. Celle-ci. Bon, c'est pas compliqué, tu aimes ou pas? Ouais, j'aime bien. Vas-y, et fais des petites pirouettes là. Vas-y, tourne sur toi. Et fais un squat. Non, je préfère celle-là. C'est comme si t'avais toujours été aussi beau que ça. Les gars, si vous voulez, je vais créer une cagnotte, si vous voulez, comme ça. Comme ça, on va aider Alexandre à payer sa paire de chaussures. Tellement fan de ces chaussures qu'il les met direct au pied, il les a même pas encore payées. Mais arrête. À la fin du vlog, vous notez cette personne-là entre 1 et 20. Vous avez le droit de mettre au-dessus de 20. Ouais. Enfin, c'est la fin de ce petit vlog. C'était une très très bonne journée. Ouais. On a bien rigolé. On a bien rigolé. En vrai, c'était grave cool. J'étais trop contente de faire une vidéo avec vous. Ouais. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas rater la vidéo de dimanche prochain. Mettre des petits likes. Des petits likes et tout. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à nos Insta qui sont en lien dans la description. On vous fait des gros bisous. Bisous les gars.